Oui, bon ben voilà, nous, on est là devant les locaux de El Marine pour marquer que la pêche dans les Côtes d'Armor existe, puisque là nous sommes dans le centre technique du futur parc. Du futur parc. Voilà, on est venu déposer des coquilles pendant qu'on peut encore en pêcher. Voilà. Et c'est des petits mouvements comme ça qui vont être faits sporadiquement. Et puis, bien sûr, dans le plus grand calme, on essaye. On va essayer de le faire, de façon à ce que, dans les médias, on passe pas pour des casseurs. Parce qu'on n'est pas des casseurs, on veut simplement défendre notre métier. Aujourd'hui, s'ils font ce parc, c'est comme si on fermait une usine de 3000 personnes. Puisque nous sommes 800 marins, et comme un marin, ça, c'est 3 personnes à terre. Voilà. C'est très important. Très important cette zone là où il y a beaucoup de coquilles, des bulotiers, des filets araignées, tout ça. C'est important pour les pêcheurs des Côtes d'Armor de conserver cette zone là. Tout va être décrit sur le fond. Voilà.